Ouais ma route de ma ou sans en ouais ma ouais binou tu es ma bande ouais qui est là ou moi je suis dans ma vous que la bénédiction soit pour toujours simple chaque fois j'ai besoin de toi t'es toujours à l'œil ce sourire c'est lui qui m'en fait malgré j'ai galon des peugeot je mérite mais pas c'est bien fait alors je m'aime je noie. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède, à des firmes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Parce que vous m'avez manqué, ça fait vraiment un bout. Mon mois de janvier a été grillé parce que j'étais super très occupé. Dieu merci, je reviens. Et si vous avez bien remarqué au début de la vidéo, j'ai commencé avec un son lyriste. Ouais, c'est mon coup de cœur. Vous connaissez Erito? Erito ne parle pas de tout, de n'importe quoi ou de n'importe qui. L'artiste s'appelle First King. Et c'est un artiste béninois. Il nous vient tout droit du Bénin. Il est bourré de talent. Et il a plusieurs morceaux, mais ce morceau-là, comme ce morceau parle de Dieu, c'est pourquoi j'ai décidé de vraiment lui donner un coup de pouce. On est nombreux ici, vous savez, on est beaucoup ici. Son lien en description. Allez, abonnez-vous, partagez sa vidéo et surtout, commentez. Voilà, abonnez-vous, partagez et commentez. Et vous venez de la part de Erito, abonnez-vous. Parce que je crois qu'il est à 9000 quelques abonnés. Lui, au moins, c'est un bosseur. C'est pas trop, ça sera pas trop compliqué. Mais donc, ramenez-le rapidement à 10 000 abonnés rapidement. Voilà, c'est quand même la team Erito. Vous écoutez toujours quand Erito vous donne des recommandations. Donc, faites ce que je vous dis. Et puis, jugez vous-même. Parce que je vais parler de lui dans ce temps-là. Son morceau me fatigue trop. Voilà. Écoutez le morceau. Vous allez voir combien de fois il témoigne sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Bref, je ne serai pas trop long. Hein, First King. First King, c'est un super grand chanteur. Mais il a besoin de nous. Il a besoin de vous. Il a besoin de moi. Il a besoin de tout le monde. Allez lui donner de la force. Que les Ivoiriens s'entraident avec les frères africains. Le Togo, le Bénin, le Mali. Et lui, c'est First King. Abonnez-vous à sa page. Bref, on va aller rapidement. Je ne vais pas faire de transition. Parce que j'ai déjà mis le générique, donc on doit rentrer dans le vif du sujet. Je parle de quoi cette fois-ci? Je parle de deux sujets dans cette vidéo. Je parle de l'affaire Carmen Sama Rafna et du dernier direct vérité d'Ariel Chiné sur le coupé décalé et vis-à-vis de ses collègues Atis. Je prends lequel des sujets? Je vais prendre le sujet qui me tient le plus à cœur. C'est le sujet Carmen Sama Rafna. En fait, de quoi parle l'auteur? Je vous explique un peu. D'abord, je loue vraiment la bravoure et l'essence de décence que cette jeune fille-là a fait preuve. Je lui dis vraiment grand merci. Elle s'est comportée comme une dame. Oh, elle est encore une fille. Bon, puisqu'elle était mariée au président de la Chine, je la considère comme une dame. Sinon, elle est très jeune. Mais elle a fait preuve de maturité et de sagesse qui ne dit pas son nom. Donc, en tout cas, Carmen, tous mes respects. Voilà, tu mérites amplement respect. Parce que tu as surpris tout le monde. Ouais. Je suis fier. Moi particulièrement, je suis très fier de toi. Voilà, maintenant le sujet c'est quoi? Depuis un certain moment, puisque la dame, elle est naturellement intelligente et très entreprenante, elle a décidé comme ça de créer une boutique, pour ne pas dire une marque de vêtements. Voilà. Au nom de sa fille Rafna. Et scandale, comme d'habitude, vous connaissez bien ces Ivoiriens frustrés là, hein? Scandale. La dame cherche de l'argent avec le nom de son propre enfant, selon leur dire. Carmen Sama cherche de l'argent sur le dos ou bien avec le nom de son enfant qu'elle a porté 9 mois dans ses entrailles. Vous ne trouvez pas que vous abusez maintenant? Vous ne trouvez pas que ça commence à être exagéré? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes qui? Votre avis là, ça compte comment? Dans une histoire de mère et fille. En plus, la petite fille a quel âge? Quand c'est vos propres frères africains qui développent ce genre d'activité là, ce genre d'esprit là, ça vous dérange. Mais quand ça vient de l'Occident, quand ça vient de l'autre côté, vous applaudissez. Vous groupez même si c'est Marc là. De quoi vous parlez en fait? Vous ne trouvez pas que vous exagérez? La dame, elle a vécu son deuil pendant plus de 5 mois. Elle a décidé de se prendre en main. Parce qu'elle sait que si elle compte sur vous, ces bavards là, sa fille va marcher dans les rues, dormir sur les tables du marché.
Avec le peu qu'elle a gagné dans ses obsèques, elle décide d'entreprendre en créant une ligne de vêtements pour sa fille. Vous trouvez que c'est déshonorer sa fille? Ou vous trouvez que c'est profiter de sa fille? Bien au contraire. 10 ans, 18 ans plus tard, si la marque existe toujours, sa fille sera très fière de sa maman. Parce qu'au moment, au moins, là, sa maman a créé quelque chose qu'elle a essayé de pérenniser jusqu'à son âge actuel. Vous, ces mêmes détracteurs là, quand ce n'est pas bon, vous êtes prêts à insulter, à dénigrer. Mais qu'est-ce qui est mauvais dans cette histoire de prendre le nom de sa fille et créer une ligne de vêtements pour sa fille? Qu'est-ce qui vous dérange dedans? Vous êtes dépourvu de morale. À la limite, je vais vous dire, vous êtes immoral. Et c'est vous qui savez juger les gens. C'est vous qui savez mettre votre bouche dans l'affaire des gens. Ayez souvent certaines limites. Donnez-vous certaines limites souvent. Vous n'arrivez même pas à manger depuis votre position. Vous n'êtes rien. Vous ne comptez même pas. Nous, au moins, on nous connaît. Des milliers et des milliers de personnes à travers le monde nous voient au moins. Même si on n'arrive pas à manger. Mais au moins, sinon, on a un nom. Vous, on ne vous connaît pas. La dame en train de se débrouiller pour sécuriser l'avenir de sa fille. Vous, ça vous dérange. C'est elle qui va vous écouter. Et ces gens d'entrepreneuriat-là est à encourager. Elle, son esprit est trop ouvert que pour vous. Vous êtes constipé, en fait. Votre esprit ne bouge pas trop. Tout ce que votre esprit sait faire, c'est venir en commentaire, insulter les gens, dénigrer les gens. Pendant ce temps, votre propre vie même n'évolue pas. Donc, restez-vous. Parce que ce débat-là, ce moment, vous êtes passé à côté. Vous êtes en manque de buzz. Vous êtes en manque de polémique. Donc, vous voulez créer la polémique. Elle ne va même pas vous écouter. Et quand cette ligne de vêtements sera partagée, j'invite tous les Ivoiriens, tous les Chinois, toutes ces personnes qui ont vraiment aimé Gigi Arafat de loin comme de près là, d'acheter ça un peu pour leurs enfants. Quelqu'un qui crée un salon de coiffure pour enfants au nom de sa fille, une ligne de vêtements pour enfants au nom de sa fille, vous trouvez quelque chose à dire. Comme quoi la femme, elle exploite son enfant. Bon, si elle exploite son enfant, elle exploite pas son enfant, elle exploite l'enfant de qui? Et puis elle exploite comment? Dans le sens positif. Parce que le mot exploiter là, c'est pas forcément dans le sens négatif. Elle exploite sa fille dans le sens positif. Parce que c'est que pour sa fille qu'elle fait ça. Elle est femme. Il y a un garçon qui peut la marier, il va la mettre bien dans son foyer. Donc vous n'avez rien à dire là. Laissez les gens vivre. On vous demande pardon. Parce que j'ai vu un peu les réactions, ça et là, ça et là. Mais si je ne parlais pas aussi dans cette histoire, ça allait trop me faire mal. Parce que souvent, la fois, après, on éduque les gens. Ces personnes-là sont vieilles, mais elles ne réfléchissent pas beaucoup. La plupart, je dirais 75%, ce sont des femmes comme elles. Des filles qui passent toute leur vie dans les histoires d'assini, dans les histoires de bois de nuit, qui n'ont rien dans la tête, qui pensent qu'à à l'oisiveté, là, c'est elles qui ont venu faire commentaire pour critiquer les camarades femmes. Qui est moins âgée qu'elles en plus. Fermez-la si vous n'avez rien à dire. Et laissez la femme entreprendre avec sa fille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ariel Chiné, à tout à l'heure. Voilà, Ariel Chiné. Je pense qu'il n'y a rien à dire parce que quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler décide de parler, généralement c'est la vérité qui sort de sa bouche. Voilà, pour ce que je sais en tout cas. Et effectivement, j'ai suivi le direct. Ce jeune a dit beaucoup, 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 beaucoup de grosses vérités. En toute politesse surtout, parce que faut, quand tu dis la vérité et puis il y a de l'impolitesse dedans, ça entache ta vérité en fait. Voilà, ça entache ta vérité. Donc je félicite déjà Ariel Chiné pour ce direct là d'éveil de conscience. Et je l'encourage, voilà, je l'encourage à vraiment se concentrer sur sa carrière, comme il a dit, à vraiment bosser, à vraiment être professionnel et à amener la population ivoirienne à quitter la gratuité pour pouvoir faire vivre l'artiste. Ça, c'est très bien pensé. Cependant, vous savez, quand moi je fais une réaction, c'est parce qu'il y a un petit mais quelque part, que si ce mais est négligé, ça peut lui porter préjudice. Mais avant ce mais, pourquoi je fais cette réaction? C'est parce qu'après le direct de Ariel Chiné, je suis allé lire les commentaires. Et comme vous le savez, comme toujours, je sais même pas ce que le mec a dit de mauvais dans son direct. Les gens ont continué à l'insulter, à le rabouer, à vouloir toujours revenir dans le passé. Parce que ce qui est malheureux, beaucoup de personnes vivent dans le passé. Vous voyez un peu, beaucoup de personnes ont tellement mal, beaucoup de personnes n'acceptent tellement pas certaines situations qu'ils se sentent obligés de toujours vivre dans le passé. Moi, je les comprends. Mais si vous savez, bien avant qu'on rentre dans cette nouvelle année, je vous ai demandé de laisser ces mauvaises habitudes-là, de laisser ça derrière vous. Et de regarder la vie autrement, d'aller de l'avant. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est difficile de vous raisonner parce que on multiplie les vidéos, des sensibilisations, de conseils, mais vous décidez volontairement de ne pas écouter. Ariel Chiné n'a rien dit de mal. Tout ce qu'il a dit là, vous savez au fond de vous que c'est la vérité. C'est pas parce que on a perdu un très gros poids lourd d'un mouvement, veut dire forcément que le mouvement est mort
ou bien le mouvement va mourir. C'est comme si vous insultez indirectement les artistes qui sont vivants, à l'instar de Serge Beynaud, Minx, Safarel, qui se battent aussi, hein, qui se battent comme ils peuvent aussi pour ce mouvement-là. Arel Chiné, Desbordo et consorts. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il ne faut pas faire les choses, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il ne faut pas faire les choses, parce que c'est ce genre de réaction-là, c'est ce genre de commentaire-là qui envenime toujours la situation, et puis on est toujours dans les clashs, on est toujours dans les bassesses, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, essayons de laisser ça. Parce que ce qu'Arel Chiné a dit là, c'est la vérité. Mais le seul mais que je vais dire à Arel Chiné, c'est quand Arel Chiné a dit que ce sont les étrangers même. Non, là il t'arrête Arel Chiné, là tu as fait fausse route. Faut même pas mettre la faute sur les étrangers. Les gars qui font ça là, les gars qui disent ça là, ce sont tes propres frères ivoiriens. Faut avoir le courage de dire ça. Peut-être que j'ai senti de la peur en toi, c'est pourquoi tu as voulu jeter ton dévolu sur les étrangers. Ce ne sont pas les étrangers. C'est pas parce que un ou deux étrangers vont parler parmi 1000 personnes que ils représentent les étrangers. Je suis désolé. Ceux qui sont en train de rabouer, rabaisser ce mouvement coupé décalé là, dénigrer ce mouvement coupé décalé, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes. C'est eux qui sont torpillés le mouvement. Les étrangers, c'est les mouvements. Et ils nous soutiennent simplement, c'est parce qu'ils aiment notre musique. Dans la limite, je dirais que la vie ne compte pas. Entre guillemets, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je vais dire. Mais les vrais bourreaux même de ce coupé décalé là, ce sont les Ivoiriens. Faut pas mettre ça ailleurs. Voilà. Maintenant, si tu me parles des Ivoiriens qui sont à l'étranger, je peux comprendre que tu ne parles pas des étrangers. Et ces gens de propos-là peuvent envoyer beaucoup de choses, de problèmes. Voilà. Et souvent, on dit des choses qu'on banalise, qu'on trouve anodines, mais qui nous rattrapent après. Voilà. Donc, avant de parler, il faut peser le pour et le contre, bien réfléchir à ce qu'on va dire avant de se prononcer. Les étrangers n'ont rien à voir dans cette histoire de couper des calais morts, couper des calais finis. Non, 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 non. Ce sont nos propres ivoiriens là qui sont dans ce langage-là. C'est eux qui disent ça. Parce que soi-disant, c'était trop fan d'un artiste qui nous a laissé. Voilà. C'est ça qui est la vérité, en fait. C'est ça qui est la triste vérité. Donc, c'était juste pour te dire que. Il faut éviter ce genre de choses-là. Quand tu veux faire ta réaction, reste objectif jusqu'au bout. Reste cohérent jusqu'au bout. Mais des expressions ou certains propos peuvent entacher un peu l'élan dans lequel tu es. Voilà, l'élan de vérité, l'élan de franchise dont tu as fait preuve dans ce direct-là. Voilà, Dieu merci, tu as essayé de te rattraper en disant que non, tu n'as pas de problème avec les étrangers. C'est pas que tu es xénophobe, mais. Voilà, il faut éviter ça même. C'est des choses qui ne se disent pas. En tant qu'un artiste, il faut rester pro, il faut rester impartial. Tu peux dire une vérité tout en restant impartial. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. Je vous ai dit, rendez-vous à 16h pour cette histoire de Desbordo avec la musique. Voilà, rendez-vous à 16h. On va s'expliquer et puis on va voir si c'est la vérité ou si c'est encore un gros mensonge. À tout à l'heure.